acteur, cherche travail. Franz Maillard, comédien, s'offre une campagne publicitaire tournée à Bordeaux-Lac. Il a décidé de se vendre avec une vidéo à retrouver prochainement sur les réseaux sociaux et des photos, bientôt en 4x3 dans les rues de Bordeaux et Paris. Je voulais pas, on va dire, faire la même chose que tout le monde, faire quelque chose de simple et qui me permette de sortir du lot en ce temps de crise et puis me permettre tout simplement, à ma manière, de prendre plaisir, de donner du plaisir, de montrer que je me prends pas au sérieux, que je reste moi-même, mais à la fois que ça me permet d'être du boulot. Après quelques apparitions dans Groland, dès 2006, Franz Maillard fait un bref passage par les cours Florent, puis par le Café Théâtre. En février dernier, il joue dans YOLO sur le câble. La série s'arrête rapidement et laisse l'acteur dans le creux de la vague. Il décide donc de relancer sa naissante carrière avec cette campagne de pub. Budget total 2 300 €, un petit budget grâce à l'aide de professionnels bénévoles. C'est venu des potes du métier artistique et c'est en ce temps de crise, on voit qu'en fait on est soudés. C'est-à-dire que j'ai besoin d'eux, ils ont aussi besoin de moi aussi en quelque sorte. Moi j'ai eu mon examen donc cet été, donc je suis tout jeune sur le marché. Et c'est vrai que c'est le genre de projet qui est important quand on débute, qui permet justement de vraiment se mettre en avant, montrer de quoi on est capable. Le Médocain espère attirer les regards, il ne convoite aucun type de rôle en particulier et préfère mettre en avant son côté caméléon. Action. Ta femme, je la saigne. Je la saigne. Comment le psychopathe ? C'est ça ? Les filles. Franz Maillard, un acteur tout-terrain, peut-être bientôt sur vos écrans.